leur riant boudoir, ils sont tous deux assis. Leurs sièges ont pour pied des griffes de panthère, et dans leur coupe d'or coule des vins choisis. Taïa, contre un satni haletant, se terre. Lente, elle prend du fruit, prétend avoir faim. Son grand œil sombre est plein d'un irritant mystère. Un souple aspic d'argent orne son poignet fin. Son pied foule un tapis qui vient de Babylone. Ce repas, il faut d'important qu'il prenne fin. Près de cet homme, au sang jeune et vif qui bouillonne, elle garde un visage impassible et très froid, comme un masque d'Hâthor en haut d'une colonne. Lui, qui souffre, pourtant l'aime ainsi, car il croit qu'elle ignore encore tout de l'ivresse insensée. Et la force lui manque, et son désir s'accroît. Alors Taïa sourit à sa propre pensée.